Moi, c'est Asma. Et moi, c'est Chloé. Nous avons toutes les deux 13 ans. Et on est en quatrième au collège Charpégui à Tourcoing. Notre collège, il y a 2 ans, il a lancé la web radio, donc Mediado. Et on a participé au concours de médias scolaires Mediatix. Et donc, alors on a gagné le premier prix académique. Et aussi, on a été finaliste au concours national, plus précisément dans le top 5. Bonjour à toutes et à tous, je suis Merlin, bienvenue dans la science info. Vous avez peut-être vu Thomas Pesquet s'envoler pour l'ISS le 23 avril dernier à bord de la fusée Falcon 9. C'est pourquoi aujourd'hui, avec Pascal et François, nous allons vous parler des fusées. Bonjour à vous. Bonjour. C'est juste que t'as vraiment des conditions qui font que là, tu te crois vraiment sur une émission radio. Mediado, en fait, c'est une radio tenue par le cycle Pesquet. Certains élèves des trois niveaux de 5e, 4e et de 3e, on est tous mélangés en classe et ensemble, on tient tous cette radio. Donc cette radio, elle se divise en plusieurs chroniques et on essaie de parler de choses diverses et variées et puis réexpliquer un peu ce qu'on comprend à notre manière pour que les gens puissent comprendre. On a créé des musiques à partir de logiciels comme GarageBand, mais il y a aussi des élèves musiciens dans la classe. Avec GarageBand, on a pu créer tous les jingles et les tapis. Bon, c'est non officiel parce que tout le monde peut le faire quand il finit de créer sa chronique, mais on est ceux qui l'avons fait le plus, donc pour Madame Dalle et Madame Cotard qui sont nos professeurs, on est à peu près les présentateurs quasi attitrés de la radio. Bah, c'est surtout le temps, il faut que tout soit chronométré, bien casé. Il y a le montage, ça prend du temps, il faut que tout soit bien calé. Tout soit parfait, et pour moi c'est ça le plus compliqué. Je suis honorée d'avoir gagné ce prix parce que je m'y attendais pas, et puis c'est cool de pouvoir se dire que nos efforts ils payent toujours. Ah bah c'est une grande fierté. Ouais, ça fait plaisir hein, parce que ils se sont rendus compte qu'ils faisaient du bon travail, et je pense que le fait d'être valorisé comme ça, ça leur a fait beaucoup de bien. Et ils ont envie de continuer encore mieux. Bah, moi j'étais très fier parce que ça fait déjà 2 ans qu'on a créé cette web radio. Et donc recevoir ce prix, en fait, comme cette année je vais quitter le collège, c'était un petit peu une belle fin pour moi.